Bonjour, this is Laetitia, and you are listening to Cultivate Your French Podcast, one slow episode of One Thing in a French Day podcast every week. I hope you are well and happy. All the information about the transcript is available at cultivateyourfrench.com. Last weekend, autumn really began in France. Saturday morning was rather sunny. Michaela and I went in the Saint-Michel area to run some errands. We walked from Châtelet to Odéon and back, then we quickly went to Rue de Rome near Saint-Lazare. Rue de Rome is known for its Le Sai workshops and music bookshops. We bought the books Felicia will need this year for her music class. We came back home late. Lisa was expecting my return to ask me a specific question. Et maintenant, parlons français. Je vais vous lire l'épisode une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! Premier week-end d'automne, deuxième cours de musique et marche en forêt. Après notre grande balade, samedi matin, dans Paris, Michaela et moi sommes rentrés un peu tard. « Maman, c'est bientôt que Claire arrive ?» a demandé Lisa, impatiente de recevoir son deuxième cours de viol de gambe. Et oui, cette année, nous aurons deux musiciennes à la maison. « C'est calme chez vous !» a dit Claire en arrivant à 14h chargée de son violoncelle. « Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça, » ai-je répondu en riant. Lisa a suivi sa leçon et nous avons offert un thé à Claire qui devait ensuite se rendre à un concert dans le 91. Elle a testé la nouvelle viole de Félicia. Je l'ai récupérée auprès d'un luthier de Caen début septembre. « Elle est très bien cette basse !» a dit Claire en jouant quelques notes. « Vous voyez, on va pouvoir faire des sons plus intéressants qu'avec le ténor. » Félicia était très attachée à son ténor. Elle boude encore son nouvel instrument. Mais je sais qu'elle va apprécier toutes les nouvelles aventures qu'elle va vivre avec lui. Ces quelques notes qui ont résonné dans la maison me l'ont confirmé. Dimanche matin, nous étions peu nombreux à la marche nordique parce qu'il ne faisait vraiment pas beau. Isabelle m'a dit que son frère était allé au Kirghizistan et qu'il avait fait des photos de chevaux magnifiques avec des cavaliers dans des positions improbables. À ce moment-là, Philippe, notre coach, nous a fait signe de nous arrêter. « Messieurs, dames, on lève ses bâtons, le temps de laisser passer ce cheval. » Nous avons laissé passer le cavalier solitaire, tout de noir vêtu dans un manteau de pluie. Et maintenant, à vitesse normale. Après notre grande balade samedi matin dans Paris, Michaela et moi sommes rentrés un peu tard. « Maman, c'est bientôt que Claire arrive ?» a demandé Lisa, impatiente de recevoir son deuxième cours de viol de gambe. Et oui, cette année, nous aurons deux musiciennes à la maison. « C'est calme chez vous !» a dit Claire en arrivant à 14h, chargée de son violoncelle. « Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça, » ai-je répondu en riant. Lisa a suivi sa leçon et nous avons offert un thé à Claire qui devait ensuite se rendre à un concert dans le 91. Elle a testé la nouvelle viole de Félicia. Je l'ai récupérée auprès d'un luthier de Caen début septembre. « Elle est très bien cette basse, » a dit Claire en jouant quelques notes. « Vous voyez, on va pouvoir faire des sons plus intéressants qu'avec le ténor. » Félicia était très attachée à son ténor. Elle boude encore son nouvel instrument. Mais je sais qu'elle va apprécier toutes les nouvelles aventures qu'elle va vivre avec lui. Ces quelques notes qui ont résonné dans la maison me l'ont confirmé. Dimanche matin,
nous étions peu nombreux à la marche nordique parce qu'il ne faisait vraiment pas beau. Isabelle m'a dit que son frère était allé au Kirghizistan et qu'il avait fait des photos de chevaux magnifiques avec des cavaliers dans des positions improbables. À ce moment-là, Philippe, notre coach, nous a fait signe de nous arrêter. « Messieurs, dames, on lève ses bâtons, le temps de laisser passer ce cheval. » Nous avons laissé passer le cavalier solitaire, tout de noir vêtu dans son manteau de pluie. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.